ensemble groupe directeur l'école qui fait partie UCP, qui c'est Unité Coordination Projet, mandé ministère éducation nationale pour régulariser dernière année contrat pour année académique 2023-2024 là. Responsable l'école qui fait partie UCP, yo fait qu'on y a fait face à gros difficultés pour payer matériel et scolaire timoun yo ak pour payer professeur yo. Groupe directeur l'école sa yo précisé contrat si la cap dire 3 ans te siyen antyo ak MNFP depuis année 2021. An kote yon après l'autre, Geneska François ak la voix du bien-aimé qui se représentant l'école Le Samaritain en action ak école mix foi en Dieu yo te nan micro Michel Alexis ak Jean-Vital Pierre. En dans le groupe Massa, il y a un groupe directeur d'école qui fait partie d'un programme subvention scolaire qui est patronné par ICP, qui est Unité Coordination de Projet. Contrat assis avec le ministère de l'Éducation nationale pour 3 ans. 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024. Je dis à nous trouver dans une situation pour nous demander avec l'équipe qui a dirigé le ministère de l'Éducation nationale là, à l'occurrence de M. ministre Maninga Nesni, son excellence, n'a demandé pour régulariser le contrat 2023-2024 là, suite à respect de première année 2021-2022, 2022-2023. Nous constatons une grande irrégularité pour l'année 2023-2024 là. Irrégularité ça, mettez-nous dans une grande difficulté pour nous payer matériel scolaire Timonio a pour nous payer professeur yo. Son excellence, toute démarche nous fait bon côté organisation, hein? Yo dit nous c'est ou même pour nous ouais. Nous fait toute démarche yo, nous rivé bon côté ministère là. Dans la direction générale, nous un chef cabinet à monsieur Abraham, dit nous encore c'est ou même pour nous ouais. Donc puisque tant pas propice pour nous rencontrer ou contre situation déjà, eh bien nous prenons le chemin de la presse ou attendez nous parce que nous connaissons un ministre qui est très médiatique pour nous, ou attendez nous pour faire presser, presser parce que la situation est grave pour nous capables de payer professeurs parce que les parents ne sont pas capables de payer et nous même tout, nous ne pas capables de payer. Ministre, qui c'est M. Nesni Maninga. Donc, son excellence, comme on connaît déjà la situation pays, comment lié, comment la évolué, comment la situation politique là, comment le pays a crasé, spécialement pour nous-mêmes qui avons dans Cité Soleil, directeur, nous ne sommes pas capables encore. Nous seulement voulons dire ou penser ensemble avec nous. De première année, nous passons déjà, mais dernière année, ça, qui c'est 2024, ça, nous pas capables encore. Vous connaissez comment tout bagaille. Professeur pas de travail. Nous finis, Timon nous là, pas capable de manger pour nous jouer. Nous pas joindre manger. Nous besoin de manger pour Timon. Nous besoin de l'argent, son excellence. Nous espérons ou attendez nous et vous faire le nécessaire pour nous le plus vite que possible parce que nous pas capables encore. Comme de directeur d'école, qui signe un contrat avec ICP, qui c'est Unité Coordination de Projet, qui est bid financier pour nous pour 3 ans. Donc, sur 2023-2024, là, donc, comme l'arrivée dans le ministère de l'Éducation nationale, là, il était prédit que l'a changé subvention en cantine scolaire. Donc, mais c'est pas de nous entendre ça. Nous ne pouvons pas jouer ça. Et puis, nous ne pouvons ni cantine, ni comme là, le même ministère jusqu'à présent. Donc, c'est ça que nous avons demandé pour le ministère faire le nécessaire pour nous jouer comme là. Parce que si nous sommes toujours venus à l'école, nous ne pouvons pas payer les professeurs et contrat pour nous battre le matériel. Nous baillons le matériel, nous pouvons quand même payer pour acheter le matériel.